Avant de lancer donc le plateau de débat, qui aura trois parties et qui va commencer par un petit docu-fiction sur la démocratie locale, je tenais à vous dire qu'autour des caméras, c'est un plateau participatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez bien observé, si vous avez le sens de l'observation, derrière les caméras, en régie, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des jeunes. On a Florian qui nous vient de Jean-Paul Cosse. On a Sylvain, qui n'est pas tout jeune, mais quand même. On a Sylvain. On a Stéphane, qui est le directeur du centre de loisirs à Jean-Paul Coste. On a Gaëtan, qui est très important sur ce plateau. Gaëtan, c'est le chef plateau. Donc, c'est le chef d'orchestre qui va organiser un petit peu le temps. Parce que derrière ce mur, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, il y a une régie plateau télé. Derrière, il y a Agnès Maury, qui est la réalisatrice de cette émission, avec deux jeunes, Titouan, Et Julien. Donc déjà, je vous demande, pour voir si vous êtes chaud au niveau des applaudissements, d'applaudir déjà toute cette équipe, parce qu'ils sont tous investis bénévolement. Et maintenant, j'espère que vous apprécierez, nous commençons à l'heure. Et je vais laisser donc la main au chef plateau, qui est Gaëtan, et qui est maintenant sous les consignes et les ordres, on va dire, de la réalisatrice et de l'équipe régie que vous ne voyez pas. Donc, à toi, Gaëtan. Je vous redis bonjour, simplement dans un autre lieu. Ma directrice qui vient de prendre la parole vous a expliqué tout ce qu'il y avait à dire sur, en fait, l'encadrement vidéo et multimédia de cette journée. Moi, je suis là simplement pour ne pas prendre de retard et lancer ce film qui va durer 20 minutes. Au niveau du travail qui a été fait sur ce film, il y a eu 5 heures de pellicule. Il a fallu en extraire 20 minutes pour que le temps ne vous paraisse pas long et qu'on puisse en retirer vraiment les passages les plus importants. Vous verrez donc sur ces images Nicolas et René qui sont à ma droite, Florence Tekint et Audrey qui sont à ma gauche. Audrey, René et Nicolas sont donc des contrats SCV. Ils sont allés à Bruxelles et ils ont interrogé des personnes de la population bruxelloise au sujet de leur propre définition de la démocratie locale. Donc voilà, c'est ce qui va vous être présenté maintenant. Florence, qui travaille au centre Jean-Paul Coste, a donc, elle, encadré ce voyage à Bruxelles. Je pense que maintenant, Florence va vous dire deux mots sur ce que sont les SCV et on regardera le court-métrage tout de suite après. Alors je vous donne effectivement un petit peu bonjour d'abord, excusez-moi. Je vous donne un petit peu le contexte dans lequel a été réalisé ce film. En fait, nous avons accueilli à Jean-Paul Coste, au centre socio-culturel Jean-Paul Coste cette année, 5 jeunes en service civil volontaire. Alors le service civil volontaire, c'est l'occasion, l'opportunité pour des jeunes de moins de 25 ans de venir rejoindre des équipes professionnelles dans l'animation ou dans des associations. Donc c'est pour une durée de 6 à 12 mois. Donc effectivement, nous avons accueilli 5 jeunes. 2 ne sont pas là aujourd'hui puisque 2 sont déjà partis sur d'autres contrats et on est très contents justement parce que ça a été un tremplin pour eux. Donc dans le cadre de ce service civil volontaire, nous devons et nous donc proposons aux jeunes une formation. Et on a fait le choix ensemble, plutôt que de faire une formation assise dans une salle et à leur donner du concept et des choses un petit peu qui n'étaient pas dans notre mode de pensée, on est parti plutôt sur de la pédagogie active. Et donc on a décidé de réaliser un voyage à Bruxelles. Donc on est parti donc sur un format de formation-action et nous sommes partis pendant 3 jours à Bruxelles avec plusieurs objectifs. Un premier objectif qui était en fait de découvrir les pratiques socioculturelles mais dans un pays différent du nôtre. Donc nous avons rencontré des structures sociales, des structures culturelles. Un deuxième effectivement objectif qui était de se mettre dans une dimension européenne. On a visité le Parlement européen. Et puisque c'était la semaine européenne de la démocratie locale cette semaine et que ce voyage a été fait en septembre, on s'est dit ben, on va en profiter pour partir avec les films du papillon, donc une équipe vidéo. Et on a réalisé une enquête sur la démocratie locale à Bruxelles. Donc comme vous le disiez Janine, on est revenu avec 5 heures de film et on en a tiré 23 minutes qu'on vous propose maintenant. Voilà.
Allô? Oui, c'est Flo. Flo? Bon, le projet, là, pour Bruxelles, qu'on a monté ensemble, c'est maintenant. Quoi? Les 5 SCV du Centre socioculturel Jean-Paul Corse qui partent à Bruxelles, eh ben, c'est maintenant. Mais quand? Dans une demi-heure. À la gare TGV. Tu as craqué ou quoi? À tout à l'heure. Sommes-nous à Bruxelles? Parce que dans le cadre du service civil volontaire, une formation est proposée aux jeunes. Donc le centre socio-culturel Jean-Paul Coste et les 5 jeunes qui sont en service civil volontaire ont décidé de monter un projet sur Bruxelles pour enquêter sur la démocratie locale. Je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'évoque pour toi la démocratie locale? On peut dire tant de choses en France sur la démocratie au Québec. C'est tellement partagé parce que les gens viennent de partout dans le monde. Alors, ils ont toute leur vision de comment on devrait vivre et on essaye de faire des ajustements. On a parti les accommodements raisonnables. Alors, quand tu viens, peu importe d'où tu viens, tu dis comment tu vis dans ton pays et on essaye de s'accommoder avec ça. Local democracy, I never thought about the term to be local. Because I think it comes with a country or with a system of government of a given country, but I guess local democracy could be like the democracy that autonomic regions could have, smaller independent or more autonomous units could have. Yeah. Qu'est-ce que pour vous être citoyen? C'est avoir son mot à dire sur la politique et pouvoir aussi agir dedans, même si c'est parfois impossible, je dirais, ou qu'on en a parfois l'impression que ça ne donne aucun résultat. Ici, en Belgique, le vote est obligatoire. Donc moi, je trouve que la citoyenneté n'est plus spécialement un droit, mais ça devient un devoir qui est contraint par nos gouvernements. A citizen is being a social animal that needs to live and share with other people and needs to behave and needs to follow some rules. But it also needs to make its rights, fight for its rights, and he has some kind of freedom to do whatever he wants. What do you do to be a citizen? I work, I have fun, and I try to not to kill anybody. C'est être vraiment actif dans la politique locale et avoir son mot à dire pour voir réellement sur le terrain des changements aboutir, quoi, oui. Et c'est pas le cas, je suis plutôt critique, mais sans être actif. Ouais. Moi, j'essaye de découvrir le monde pour le présenter au reste des gens. J'essaye de rapprocher les gens en nationalité. Moi, je suis la seule enfant blanche dans ma famille. J'ai des Haïtiens, des Brésiliens, et j'essaye qu'il y ait le moins de racisme possible parce que je viens d'une ville quand même assez riche. Dans le Québec, plus ça va, plus on fait la différence entre les riches et les pauvres. Et souvent, les gens qui ont plus d'argent, ils sont portés à être un peu racistes là-bas. All right, thank you. Bon, ben, c'était un bon début. Il nous reste quoi à visiter, Audrey? Alors, on a rendez-vous après, là, au Centre culturel Jacques Franck. Anaëlle, tu sais où est-ce qu'on doit aller pour... Oui, Jacques Franck, c'est à peu près par là. On pourrait pas tarder. Il est quelle heure, là? Ben, là, il est pas loin de 15h, donc il va falloir... Non, parti. On va y aller, allez. Go, 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 go. Savez-vous pourquoi on se rend au Centre culturel Jacques Franck? Parce qu'il nous a semblé intéressant de mener l'enquête pour savoir comment ils mettaient en œuvre la démocratie locale au sein de leur structure. Comment définissez-vous la démocratie? Ça ne se définit pas, ça se vit, ça se discute. Et c'est quelque chose qui permet en tout cas l'égalité. À mon sens, en tout cas, c'est chaque être qui compose un ensemble collectif qui est acteur de changement et de construction d'une société à venir.
à mon avis, c'est le droit de chacun de s'exprimer, d'être acteur dans la société, d'être actif et de partager avec les autres ses idées, ses opinions, ses convictions. Qu'est-ce que pour vous être citoyen ? Pour moi, c'est mener une démarche critique et une démarche politique sans pour ça spécialement adhérer à un parti ou se présenter à des élections. C'est permettre à ce que tout le monde puisse avoir les mêmes droits. La citoyenneté, pour moi, c'est d'abord une responsabilité. C'est de se sentir responsable. Et concrètement, quelle action citoyenne met en place la structure du centre ? Par exemple, soutenir les artistes, les mettre en lien avec l'école, créer des projets socio-artistiques ou socio-culturels. Ce qu'on doit faire, c'est agir pour que, dans une commune, on vive bien. J'essaye de respecter les autres, de ne pas... de garder ma liberté et ne pas porter atteinte aux libertés des autres. Je suis une citoyenne élue. Donc la citoyenne élue, elle doit être doublement à l'écoute et doublement responsable de ses actes. Alors là, on sort du Parlement européen, on vient de faire la visite, c'était très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de monde puisque tout le monde est déjà parti, mais dès qu'on croise quelqu'un, on continue notre enquête sur la démocratie locale. Qu'est-ce que pour vous la démocratie locale ? La démocratie locale ? S'intéresser aux choses que les citoyens peuvent faire dans leur quartier. Je ne sais pas si vous savez, la Roumanie, depuis... un peu de temps de démocratie, c'est seulement 18 ans d'années. Imaginons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais ce n'est pas vrai comme ça. Il faut respecter quelques règles. C'est quoi pour vous être citoyen ? Être citoyen, c'est... Par exemple, chez nous, je pense qu'il manque le sens civil de citoyen. Il manque beaucoup de rules, de règles, voilà. Nous faisons beaucoup des étapes, mais il y a beaucoup de faire en avenir. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour être un citoyen ? En tant que citoyen. Pas beaucoup en fait. Je veux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas parce qu'il y a des lois, des citoyens qui ne respectent pas la loi. Et moi seule, je ne peux pas faire grand-chose, voilà. C'est une bataille presque inutile dans ce moment. Mais j'espère que ça sera mieux à venir. Et voilà, toujours sous le soleil de Bruxelles, nous arrivons au centre social Téléservice. Donc nous sommes là pour continuer notre enquête sur la démocratie locale et pour visiter ce centre social, pour permettre d'échanger sur nos pratiques par rapport à notre sujet d'enquête, la démocratie locale. Allez, on y va! Qu'est-ce que pour vous la démocratie locale ? C'est l'égalité pour tout le monde, qu'il y a la démocratie pour toutes les cultures. Et le terme de local ? Sont les gens d'ici, du quartier, mais aussi les gens d'autres rues. Ce n'est pas uniquement des Belges, mais aussi des Marocains, des Turcs, n'importe qui. Et ça, c'est pour moi la démocratie, que tout le monde est pareil.
Qu'est-ce que pour vous être citoyen? C'est être utile, oui, faire son job vis-à-vis de la de voisin, de l'environnement. D'être respectueux de ça, de l'autre. C'est aussi recevoir de respect des autres. Ce n'est pas uniquement le respect de nous vers des autres cultures, mais aussi les autres cultures qui doivent avoir de respect pour nous. Qu'est-ce que vous faites en tant que citoyen? Pour moi, c'est aider les gens. C'est pour ça que j'aime ici tellement mon travail, c'est aider les gens. Est-ce que vous pourriez me définir ce que pour vous représente la démocratie locale? Qu'est-ce que vous appelez la démocratie locale? Alors, si on décompose d'abord le mot démocratie, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est être libre. Nous sommes dans un pays libre. Enfin, nous, on n'a pas à se plaindre, on est à l'aise. C'est nos clients qui ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils ont quand même un petit budget, des problèmes sociaux, des problèmes de langue, des problèmes d'habitat. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est être citoyen? Être citoyen, c'est... On doit répondre à des lois. Il y a la liberté, mais il y a toujours des lois. On n'est pas tout à fait libre, quand même. Hein. Il y a toujours des contraintes dans la vie, pour tout le monde. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que citoyenne? Ben, moi, je me dévoue. Je me dévoue 5 heures semaine, ici. Je trouve que c'est bien. Bon, ben, très bien, je vous remercie. Et puis nous, on va toujours continuer sur notre enquête. On commence à avoir beaucoup d'éléments, donc on va essayer de voir encore quelques personnes. Pour moi, la démocratie, c'est d'abord dépasser le stade du « je » pour aller vers le « nous » et rendre le « nous » possible, et le « nous » dans le temps, et le « nous » longtemps, et le « nous » avec des gens très différents. C'est un concept, je dirais, culturel grec, et puis maintenant, elle est souvent... une espèce d'égalité, un désir d'égalité, de chance pour tout le monde. Qu'est-ce qu'être citoyen? Je pense que c'est être engagé, participer, ne pas laisser les choses se faire à votre place. On n'est pas compétent sur tout et en toute matière, mais je veux dire, c'est intervenir chaque fois que c'est possible, prendre sa part. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que citoyenne? Je ne laisse pas passer quand quelque chose me paraît... pas supportable. Je m'insurge contre les différences de privilèges. On a fini donc la visite du centre social et on se retrouve pour l'Atomium tout à l'heure. Eh bien bonjour. Donc nous sommes dans l'atome central de l'Atomium en compagnie de Céline. Qu'est-ce qui est pour vous la démocratie locale? Je peux juste parler du sentiment de démocratie que moi j'éprouve en vivant à Bruxelles, qui est quand même une ville, je pense, assez exceptionnelle au niveau de la multiplicité culturelle. On a tellement l'habitude dans la rue d'entendre d'autres langues que la nôtre. Dans le métro, parfois je suis la seule. Je suis la seule vraiment belge, donc on est vraiment très habitué à se sentir dépaysé dans notre propre ville. Donc le belge a parfois, je dirais même, trop grand pouvoir de démocratie, à s'en perdre peut-être un petit peu lui-même. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, c'est le fait que le peuple puisse décider de l'avenir un petit peu dans lequel il va se diriger, socialement, culturellement, économiquement. De toute façon, la démocratie doit être locale parce qu'on ne sait pas faire de la démocratie à grande échelle. C'est quoi pour vous être citoyenne? Savoir prendre ses responsabilités, s'intéresser un petit peu à la vie de son pays et de sa communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que citoyenne? S'assurer que les gens qui nous entourent...
n'ont besoin de rien et s'ils ont besoin de quelque chose, est-ce qu'on peut leur apporter quelque chose ? Personnellement, j'ai des convictions plutôt anarchistes. Donc j'ai plutôt tendance à dire aux gens que je ne dépends pas d'eux, que je n'ai pas besoin d'eux, que je suis tout seul et qu'ils ne viennent pas m'enquiquiner. Ça, c'est plutôt mes convictions personnelles. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Et quant à nous, pour la suite des reportages, ce sera demain parce qu'on a eu déjà une bonne grosse journée et aujourd'hui, c'est fini pour les interviews. Nous sommes au skatepark de la place de la Chapelle. Nous allons interviewer des jeunes. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que pour vous la démocratie locale ? La démocratie, ben, c'est les gens qui essayent de bien faire pour s'occuper de nous. Moi, je vois ça un peu comme ça. Disons que c'est souvent raté, mais sans eux, ce serait quand même un peu le bordel, quoi. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour être en tant que citoyen ? J'achète dans les magasins. Je prends le bus, je vais travailler, je ramène de l'argent à l'État. Je fais vivre l'État, quoi. Pour moi, c'est ça, être citoyen. Citoyen, c'est faire vivre l'État dans lequel on vit. On se lance dans un vox pop au marché aux puces sur la place du jeu de balle à Bruxelles. Est-ce que donc vous pouvez nous donner votre définition de la démocratie locale ? Je pense locale. Ben, ce serait d'abord le droit de tout citoyen d'accéder à un mode de gouvernance locale, en fait, hein, d'avoir son mot à dire réellement et pas par personne interposée, puisqu'en fait, on élit nos dirigeants et puis on ne sait plus ce qu'ils font après, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, ce n'est plus la démocratie à ce moment-là. Il faudrait constituer des mouvements de citoyens vigilants, quoi, qui observent ce qu'il se passe au niveau des dirigeants et qui, à la limite, dénoncent, mais dénoncer d'une façon objective, évidemment, hein, et qui essaient d'agir dans ce sens-là aussi. La démocratie locale pourrait concerner de donner la possibilité aux gens locaux, n'importe où que ces locaux existent, de vivre comme ils ressentent et de continuer à respecter et à perpétuer leurs traditions. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen ? Bah, d'abord, c'est être responsable. Hein, on vit dans une société où on est citoyen, on doit être responsable, on doit s'intéresser à la chose publique, on doit s'intéresser à un tas de choses quoi, qui nous concernent. Ah, salut René. Ça va Julia ? Ouais, bah ça y est, on vient de faire la dernière interview là. Alors notre enquête est finie. Ouais, et il va falloir rejoindre le reste de l'équipe pour faire le bilan de tout ça. Et sur l'enquête alors ? Est-ce qu'on a appris des choses ? Donc, qu'est-ce qui est ressorti comme notion vraiment forte ? Il y a eu le respect, les responsabilités, ouais. Et la loi, le respect de la loi et le respect des autres. Et la liberté aussi. De l'environnement aussi. La liberté de chacun et l'égalité. Finalement, chaque personne qu'on a interviewé, il avait son opinion et son avis et sa définition. Mais il y a vrai qu'il y avait quand même des choses qui revenaient. Qui revenaient assez. Il y avait quand même des notions qui revenaient. Bon, ben. Santé, hein. À la fin. Allô ? Bon, j'ai une bonne nouvelle. Projet Bruxelles accompli plus qu'accompli. Donc on part sur une autre mission. Ce documentaire, donc j'espère que ça vous a intéressé. C'est quand même pour, en tous les cas, nos jeunes qui sont allés sur place, une expérience, je pense, très importante dans ce qu'ils ont vécu dans leur formation au niveau de leur CV. Et je vais donner la parole à René, qui est à ma droite,
pour lui demander ce qu'on attend tous, qu'ils nous disent un petit peu de leur voyage. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. Seulement, j'ai remarqué que les gens avaient du mal à définir le mot démocratie locale et que c'était vraiment difficile pour le définir, quoi. Ils ne connaissaient pas tous le sens de ces mots. Voilà. Par rapport à la définition de la démocratie locale, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a rencontré des gens de cultures et d'origines très différentes. Du coup, on n'a pas eu une seule définition, mais une multitude de définitions dans lesquelles on a pu trouver des ressemblances par rapport aux classes sociales des personnes. Et voilà, c'était vraiment bien. Et par rapport à ces similitudes, en fait, on a pu retenir quelques notions qui sont souvent revenues, comme le respect, la liberté, l'égalité, l'engagement et la participation. Et en fait, ce qu'on pourrait se demander, c'est par rapport au fait que chaque personne ait sa propre définition de la démocratie locale, est-ce que ça ne pourrait pas poser un problème, puisque finalement, sait-on vraiment ce que c'est que la démocratie locale ? Donc voilà un petit peu ce qu'ont retenu nos jeunes de ce voyage. Nous allons maintenant effectuer un changement de plateau, c'est-à-dire qu'on va se lever. Nos élus vont venir prendre place sur ce plateau, vont se présenter à vous dans leurs diverses fonctions. Je pense qu'ils vous donneront eux-mêmes leur propre définition de la démocratie locale. Et ensuite, bien évidemment, le plus important de ce rendez-vous, c'est que vous leur posiez des questions sur ce qu'ils font, eux, à travers leur propre mission et toutes les questions que vous avez envie de leur poser au niveau de votre village des mille, de vos enfants, de tout ce qui peut vous intéresser. C'est comme ça que vous participerez aussi à la vie de votre village. Voilà, on va lever le plateau et on va faire un changement de siège. Changement de plateau. Merci beaucoup.